Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de la saison du CFD, du championnat. Donc là, ça va envoyer du pâté, on a mis les moyens. Avant ça, petit récap de l'épisode précédent et c'est parti. Tout est Et noté. tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es gros quand tu vois plus ta bite, mais t'es super beau quand tu vois pas qui c'est qui se tue. C'est-à-dire qu'on a même, on n'est même pas sorti de la maison. C'est beau quand même. Mal organisé. On va avoir des compresses stériles si tu veux. Mais j'en ai, après je les ai lavés à l'eau alors je suis plus stérile. Samedi matin, 6h30. Prends une frog. Ça va toi? T'es toujours en PLS? On prend la blouse. Il m'a tué ce nuit en vrai. Et après on a entendu. Ça va patron en PLS? Ça va. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Bon, ça c'est bien. Ça c'est l'odeur de l'essence. Ouais, ça doit être ça. Je reconnais ce modèle, c'est une Renault Fuego 1,9 litre. J'espère que j'ai rien cassé. Bon, premier run, je me sors. J'ai voulu faire un peu de bac à sable. Voilà. Je suis pas ravi. Je suis pas ravi. C'est de ma faute. Je sors trop large. Désolé de CFD. Pardon. Pardon les circuits de Val-de-Vienne d'avoir détruit votre belle pelouse. Voilà. Allez, des bisous. On y retourne. Thank you.
te dise. Voilà, triangle tordu, réparation de triangle. Carrosserie Titi. Les problèmes de carrosserie, appelez Titi. C'est mieux. Bravo. Nickel. Après le crash, fallait se calmer. Hein. Donc, j'avais pas la tête, tout. On s'est dit, allez, on pose tout, on se calme. On fête la Nive à Vosseline. Hein. Vosseline, maintenant, voilà, t'es vieille. On passe un bon moment et on se remet les fesses dans le baquet. Et c'est reparti pour l'après-midi d'essai. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je sais que j'avais oublié. Alors là, aujourd'hui, j'ai envoyé lui. Après, je dis, ah non, là, on lui souhaite pas juste le truc. Je coupe dans plus grand que ça, s'il te plaît. Pas de problème.
Moi, je veux jouer. Il a dit qu'on pouvait gagner un truc chez Jacob Sport, une passe à l'année. Moi, j'ai un moteur. Désolé. J'imagine un moteur, mais je te le prête même pas. Je le garde. Tant pis. Putain, je suis deg. Mais vraiment, je suis deg. Oh, thank you.
voilà, les essais sont terminés. Je suis un peu mitigé parce que bah, d'habitude, je suis assez constant dans les essais. Là, j'ai pas été constant, hein, j'ai pas été régulier. Un coup, c'était bien, un coup, c'était pas bien. Un coup, je regrippais, un coup, je regrippais pas. J'ai quand même fait des belles battles, hein, notamment avec Guigui, comme d'hab. De toute façon, à chaque fois que je vais avec Guigui, c'est des belles battles. Donc, comme ça, c'est carré. Bah, écoutez, on va se reposer et demain matin, on attaque les qualifs. Jour de qualif. On a bien dormi. Les gars, ils sont déjà prêts, apparemment. Moi, j'ai été faire mon petit caca du matin, tu connais. Et bah, écoutez, on va tout donner. La piste a l'air quand même sèche. Donc, ça, c'est cool. Donc, on est content. Hein, on est content. On est content. Il est tôt, mais on est content. Il est tôt, mais on est content. Tôt. Non, ça va. Il est despacito. Il est... Bonjour. 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 Réflexion des impôts. Bonjour. Bonjour. Salam qui spot. Café, bonjour. Salam qui spot. Tu vas bien? Là, j'ai un spot. Là, ici. Tout va bien? Non, oh, ça va. Mais écoute, il y a du café. J'ai pas réussi à faire caca, donc tout va bien. Ok, c'est encore propre, tu peux y aller? Non. Non? Non, je peux pas. Psychologiquement, ouais, t'arrives pas. Non, il manque le confort. D'accord. Il manque ce confort de dire je suis chez moi. Ouais, mais je peux marbrer la porcelaine autant que je veux. Donc voilà. Non, il y a des gens. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à faire vos besoins hors maison. J'aime bien ces vidéos comme ça d'automobile avec des questions existentielles. Existentielles. Je crois qu'il a fait chez moi deux ou trois fois, mais genre ça faisait une semaine qu'il pouvait pas se retenir. Genre. Comment déjà t'arrives à pas aller aux toilettes pendant une semaine? Je possède un anus de qualité. Je te jure. Voilà. Et je sais que le café m'aidera pas dans ma quête. C'est ça le truc. C'est bizarre parce que c'est ma première intervention dans la vidéo, alors que d'habitude j'interviens un peu plus tôt, j'essaie de vous donner des nouvelles, de vous expliquer ce qui se passe, que je peux pas filmer ou que vous pouvez pas voir, sauf que la configuration de ce circuit fait que c'est très difficile de faire les allers-retours entre le paddock et la piste, et donc du coup il y a beaucoup de marches et beaucoup de bornes à faire pour pouvoir être sur les deux, aux deux endroits en même temps. Et c'est pas possible pour moi d'être aux deux endroits en même temps. Donc la vidéo elle est un peu différente de d'habitude parce que du coup ni Jordan ni moi prenons la parole. Ou très peu, Jordan il fait des débriefs et débriefs mais pas grand chose de plus. Donc un peu compliqué de vous expliquer ce qui se passe de vive voix on va dire. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Hier Jordan a roulé pas très bien sur la première partie de la journée. Sur la matinée c'était pas fou. Mais il s'est un peu ressaisi, il a un peu réfléchi, etc. Et sur la deuxième partie de la journée, ça s'est super bien passé. Il a fait des beaux runs, etc. Franchement, c'était assez cool. Il s'est un peu habitué à la piste qu'il appréhendait. Et c'était très très sympathique. Là, le moment où je vous parle, on est dimanche. C'est le matin. L'image que vous voyez là, c'est juste avant le live. Le live va commencer d'ici, je sais pas, 5 minutes s'il n'a pas déjà commencé. Jordan étant dans un bon état d'esprit, il a envie de faire ce qu'il peut, donner le meilleur de lui-même. Il a envie de performer évidemment, il a envie de faire top 32, top 16, peut-être un top 8 s'il peut, même si on est bien conscient qu'avec les performances de la voiture, aussi bien côté châssis que côté puissance, c'est pas d'une évidence incroyable. Sachant qu'en plus ce tracé est assez compliqué. Ce que je vous ai pas filmé c'est briefing du matin et briefing du soir. Enfin, je vous ai pas filmé, je vous ai pas dit ce qui s'était dit. Et beaucoup de pilotes ont souligné le fait que le tracé était difficile et que certains clips étaient difficiles à aller jouer. Donc voilà, c'est pas juste un ressenti de notre part, c'est un ressenti global de tout le monde. Le tracé est particulièrement compliqué. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne nique pas trop le micro. Donc voilà. Là on est juste avant la course, Jordan passe en 16e position, donc
Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il va rien casser et qu'il va juste arriver au bout. Le plus important, c'est de passer la ligne et d'avoir profité de ce week-end. Je pense que c'est le cas. On a été très motivés, très efficaces. Il y a aussi tout ce que vous voyez pas, tout ce qu'on développe. Le système de communication. Il y a un système qu'on est en train de développer aussi dans la voiture de GoPro. Il y a juste à déclencher le volant et toutes les GoPros se déclenchent en même temps. Tout ça, ça prend du temps. C'est du temps que vous voyez pas. Des choses qui sont importantes pour nous, pour vous envoyer du contenu correct, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en cours. J'espère que vous vous en rendez un petit peu compte quand même. Et j'espère que ça vous plaît, que ça continue de vous plaire. Jordan a émis l'hypothèse qu'il n'y aurait peut-être pas de CFD la saison prochaine. Franchement, ça fait chier tout le monde parce que bah, on est là pour ça, pour vous offrir ce genre de contenu. Maintenant, en effet, s'il n'y a pas d'argent, pas de sponsor, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que ça coûte un fric monstre et que ça rapporte pas grand-chose. Alors oui, il y a des vidéos YouTube, oui, il y a tout ce que vous voulez, mais je vous assure que la proportion, elle est nulle, quoi. Enfin, le ratio, il est négatif, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que c'est pas la dernière fois que je vous fais une vidéo face cam comme ça en bord de piste, ça me ferait bien chier. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et j'espère qu'on pourra continuer l'année prochaine. Allez. Pour information sur les 350Z, ah. On n'a pas de limite en fait si tu veux de motorisation. Bah, pas de problème pour Jordan Lapelosa. Un petit gros V8 américain. Petit BCRG. Les PSR ils sont où? C'est le PSR ici. De ce tracé. Et du coup qui s'est plutôt bien terminé pour Jordan Lapelosa. Bah écoute, le but, classé dans le top 10. Le but c'est de se, honnêtement, clairement, on va pas se mentir, c'est aller chercher la qualif sur une finale comme ça, troisième place. C'est beau. Pour Jordan, c'est plutôt bien placé, mais on est en début de qualification, il y a énormément de pilotes et on n'en garde que 32. Hein. Bon, voilà, run 1 effectué. Bon, voilà, j'ai voulu assurer les points pour le premier run. Je suis pas comme ça d'habitude, mais là, c'est un tracé que je maîtrisais pas trop. Donc, je me suis dit, allez, je fais un truc simple. Simple. Tac, dans les points, quoi. Voilà, t'as compris. Troisième, mais on descend, je crois, 21. Bon, après, Max, il nous fait un AK Lapelosa du Turfu. Hein. Donc, après un AK Lapelosa, on part sur le run 2. Oh, Lapelosa! Oh, Lapelosa! Ah, ou pas! Ah, ou pas! Oh, Lapelosa dans le cul! Alors, à 14h, réunion, et vous le faites tous. Derrière un écran, quand on la regarde en vrai, on aurait l'impression de vitesse. Bien plus décuplé et l'écran, je trouve, ça casse la vitesse. J'ai l'impression que ça va beaucoup moins vite que ce que... là, mais c'est le cas hein, quand on regarde la F1 la télé, quand on la regarde en vrai, ça n'a rien à voir. Sociaux, on les connaît. Allez. Ah,
Il est vraiment bien placé. Il y a un peu de marge. Il y a un peu de marge. Ce qu'il fera mieux du coup sur ce deuxième run, on attend évidemment le score de la télémétrie pour nous confirmer ça. Et 16ème place. Ouais, 16ème place, il s'installe très bien Jordan là. Très 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 bien je pense. Pas déconnant, pas déconnant. Je sens que c'est bon. Ah, ça fait plaisir. Bon bah voilà, qualif terminé. On va peut-être se qualifier, on sait pas encore, c'est pas encore fini. Mais je suis 16e provisoire. Donc j'ai de fortes chances de qualifier. Je suis trop content parce que c'est vraiment ce que je voulais ici. Hier matin, c'était vraiment pas gagné. Hier matin, comment je vais faire? Et on a trouvé les bons réglages. Premier run, on a mis de la pression dans les pneus. Alors c'était fluide, mais j'allais pas vite. Deuxième run, on a baissé un peu. Et puis bah là, gros déclenchement. Je fais pas mal de points sur le déclenchement. Et après, bah la ligne va plutôt bien aussi. Donc 16e, je suis content. Voilà. Rendez-vous au top 32. Je sais pas contre qui je vais tomber, mais ça va être bien. Ça va être bien. Objectif nickel. Là, c'est que du bonheur. Bon là, round 2, beaucoup mieux, hein. Déclenchement et tout, beaucoup mieux. Pas meilleure ligne, bizarrement, mais je fais beaucoup plus de points sur, sur le déclenchement. Donc on se qualifie 16e, donc c'est plutôt pas déconnant, hein. Pour un tracé que j'aime pas du tout, et bah, je suis content. Là, il nous a dit, on lui a dit, ouais. Nous sommes à la parade, pour parader. Bon, j'ai négocié pour essayer de changer, mais il veut pas. Il veut pas. Là, je suis tout le temps. J'ai le pied à la même position. T'as vu, ça fait. C'est ouf. C'est stylé, putain. Par contre, les bruits dans une bagnole, putain, ça. Hein? Les bruits que ça fait. Ah ouais, c'est. Là, ça va encore. C'est inquiétant, gros. Peut-être, j'ai mangé un morceau de pizza quand même avant. Hein. Ouais. Mange, c'est bon. Oh, je vais me prendre la vodka. Vodka. Toi, t'es contre qui? Je mets des clous dedans. Le sol, c'est pas commun du tout.
Et c'est bon pour mettre les brancards, on pourrait croire, c'est tout carré et tout. Mais ça a son charme quand même, ça a son charme. Sur le championnat catégorie pro cette année pour venir en découdre avec, avec ces pilotes là et bien s'en sortir. Le transfert est bon, dernier virage ici soit abordé en 3 phases, 1, 2 et dernière phase juste là à la ligne d'arrivée. Et Michael Perrotet du coup représentant de la Suisse, pilote suisse dans cette S14. Et on va voir du coup le replay. Ah, au déclenchement, ils sont quand même proches les deux. Oui, oui, il y a de l'envie. En fait, ça se sent beaucoup. Il y a de l'envie, il y a moins d'appréhension. Et ils ont envie d'aller chercher les portes. Quoi. Ils ne sont pas là pour rien. Hein. Ils ne sont pas là pour épiler les kiwis, comme on dit, comme disent certains. Ils sont là pour se battre, pour aller chercher les meilleures places, le meilleur classement et éventuellement le podium. C'est pas toujours facile, mais ils font tout pour. Et en tout cas, ça fait le spectacle. On adore ça. Et du coup, on voit les deux pilotes qui se dirigent à nouveau vers la start line. Avec cette fois Jordan Lapelosa qui se positionne côté droit en face de la chicane, place du leader. Qualifiés 18 et 15, hein, deux pilotes qui ont fait des qualifications quasiment pareilles. On a vu de toute façon la différence dans les places de qualif, ça se jouait à quelques points de télémétrie. C'est du milieu de tableau en qualif et. Et ça se ressent, je pense aussi, parce qu'ils sont relativement à peu près à la même vitesse. On va voir. Attention à Michael Perrotet, déjà ultra généreux. Déjà à l'attaque, attention Michael. Il va falloir maintenir cette proximité. C'est pas le tout d'attaquer aussi fort. Oh là 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 là. Il est déjà au pied gauche. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est fait peur? Est-ce qu'il a un problème mécanique? Notre ami Jordan Lapelosa, le Grand Touring. Ouais, mais est-ce qu'il va pouvoir relancer? Ah non, mais en plus, c'est la run numéro 2. C'est la run 2. Alors, entre le déclenchement et la suite du déclenchement est magnifique. Ouais. On va voir ce qui se passe, justement. Incroyable. Alors, j'ai quelques infos, Tom. Hein. Ouais. C'est un cardan cassé pour Jordan Lapelosa. Ah, apparemment, le vibreur a eu raison du cardan. Regarde, il casse sur les vibreurs ici, je pense. Dès qu'il arrive sur vibreur. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que la run était tellement bien partie. Ça partait très très bien. Ouais, ça partait chaud. Très très bien. Ça partait chaud de ouf. Et donc, c'est dommage. Ah, je reste sur ma fin. Ah, les rebondissements des sports automobiles. Ils ne peuvent pas réparer et revenir, c'est dommage. Ils n'ont pas le droit. Vous avez aussi tous les partenaires qui sont présents ce week-end. Sur le championnat qui ont des stands bien entendu, et là on a
Michael Perrottet, je le connais par cœur cet homme-là. Et là, il a qu'une seule, c'est qu'il est, il est dégoûté de ne pas avoir réussi à finir la run. Je le connais très bien, Mika. Il a juste les boules de ne pas avoir réussi à finir la run. Et d'ailleurs, il remporte bien entendu cette victoire. Félicitations à Michael Perrottet, la Nissan donc blanche, qui passe donc en top 16. Bon, bah voilà, demi-battle avec monsieur Michael Perrottet. Mon loulou, comme d'hab, des bisous. Hyper content de moi parce que, à Calmont, il m'avait reproché d'être trop agressif derrière le leader. Et là, pour le coup, je me suis grave dosé. J'ai mis de la proximité sans trop en mettre. J'ai essayé de prendre les clips. Et franchement, effectivement, c'est plus fluide. J'ai kiffé. Donc voilà, j'étais vraiment content dans la voiture. Run 2, run retour. Monsieur Cardan a décidé de partir en vacances avant l'heure. Hein. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est le drift. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc super fin de saison, oui et non. Pour une première saison en pro, franchement, incroyable. Donc je tenais à remercier l'atelier BLC, sans qui ça n'aura pas été possible. Je remercie bien sûr vous, hein, la PSR Family, sans qui ça n'aura pas été possible non plus. Et aussi tous mes gars de la PSR Drift Squad. Vous êtes géniaux, vous êtes incroyables. Voilà, j'ai rien à dire, vous le savez. Et bien sûr mes sponsors, SCP Shop, Max Speeding, GT2i, Zan, enfin il y en a quand même pas mal. Donc merci à vous. On repart un petit peu le cœur lourd parce que déjà c'est la fin de saison. On ne sait pas si on va refaire la saison prochaine, donc je t'avoue que la gorge elle était nouée, hein, et voilà, la suite au prochain épisode. Donc week-end de fin, voilà. Fin du week-end. Malheureusement, on a fêté le cardan. Ouais. On aurait dû en faire chez Avignon Transmission. Oui, et puis en plus, on aurait pu faire potentiellement top 16. C'était... Ah oui, on est tombé contre notre ami Perrottet, qui en fait était le Perrottet, était le monsieur qui l'avait été vu à Val d'Argent. Voilà, exactement. Qui machin, et on voulait voir justement l'évolution de Jojo. Il y en a vu l'évolution de Jojo sur un premier run, mais était super. Malheureusement, le cardan a moins évolué que Jojo. Voilà, le cardan est resté quelque part dans un virage. Il est sur Namek. Il a passé un mauvais cardan. Voilà. Mais une fin de saison pleine de bonnes choses. Voilà, exactement. Après, là, on ne sait pas encore. À mon avis, niveau vent, ça doit être quelque chose. Quand même. Élite, pas élite, on ne sait pas. On verra ce soir. On verra déjà si on a les finances. Si les finances sont là. Voilà. Plus fort. Plus fort. Plus grand, rapide. Plus rapide. Plus... Meilleur. Meilleur. Avec de l'expérience en plus. Ouais. Là, vous avez aussi moi, c'est une belle équipe quand même. Tous les loustiques, fin de rangement. Ouais. On a même recruté quelqu'un de ces générations. D'ailleurs. Cette fin de saison. C'était une bonne saison. Un mot. On a cardon. Dû une cigale. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Cardon, sa mère. Cardon. Un mot et on revient l'année prochaine. Voilà. Non, pas de mots. Mac 12. Ok. Jenny. Le carbone. Un mot de fin de saison. Perco. Yaka, j'aime ça. Yaka, j'aime ça. Si se moglo nabaviti dijelove. Onako, neka nas pita samo, mi ćemo to napraviti, tamo ćemo mi to zavariti i za jeftine pare. I onda će on to sve napraviti i bit će dobar. I nek ide u kurac i u pičku materinu sve ovo. Un mot pour la fin de saison? Incroyable. Monsieur Ramos, un mot pour la fin de saison? Bien, correct. Bien, correct. Vas-y, c'est pas une fin. Bon voilà, Titi, il n'y a pas de fin de saison. C'est une nouvelle, mort, c'est une continuité d'aventure. Timo pour cette fin de saison. Affaire à suivre. Ah bah putain, c'est un mot. Affaire à suivre, ça me va. Encore un mot pour la fin. Cardan. 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 Quoi à dire pour cette fin de saison? J'ai bien le seum pour ce cardan de merde. Oui. J'ai bien mal à la tête, j'ai bien mal à la gorge. Bref, sinon, une bonne journée. La caisse a commencé à devenir fiable, ça fait plaisir. Et franchement, j'y croyais. Ouais, bah ouais, on y croyait un peu tous, hein. On croyait un peu tous. Qui va en tête? C'est une saison d'apprentissage. C'est une saison où on a appris autant sur la piste que dans les paddocks. On a appris sur le moteur, on a appris sur beaucoup de choses. On a développé des systèmes, on a développé ce qu'on voulait mettre en place. Ça marche. Il y a fait les casques, le son du casque. Tout ouais, toute la partie radio, c'est OK. La partie GoPro, c'est en finalisation, mais ça va le faire aussi. Finalement, c'est partir maintenant pour que les projets soient mieux. Normalement, ça devrait être bon l'année prochaine, ça devrait le faire. Ok. Tout dépendra de l'état de mon objectif. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et abonnez-vous parce que la prochaine vidéo, vous n'êtes pas prêts.
Hein, je là, tout de suite, je te le dis. Mercredi prochain. Voilà. Donc, des gros bisous. Abonnez-vous. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous. On vous aime.